Allez pas au sous, ça m'a dit, je dis à m'engager, ça m'a dit, il va pas les bas, Seigneur, ça m'a dit, allez bas, Seigneur, ça m'a dit, je dis à m'engager, oh, ça m'a dit, allez bas, Seigneur, ça m'a dit. À ce concert virtuel en hommage aux travailleurs et travailleuses de la santé de la communauté haïtienne. On a commencé ce concert avec une prestation d'un percussionniste, Ronald Nazaire. Ensuite, une danse remplie d'émotions, interprétée par Cindy Belotte du groupe Mapoguinet. Ensuite, nous avons été charmés par la merveilleuse voix de Jolie Anne Métaillé qui nous a interprété une chanson de Leonard Cohen, Alléluia. Et sur cette note, on vous a présenté une photo d'une autre préposée décédée. Il s'agit de Madame Marina Ténor Louis, préposée bénéficiaire, une de trop. On sait que beaucoup de femmes de notre communauté sont sur la première ligne de front. Sur la ligne de front, je pense à ces infirmières, je pense à ces préposées bénéficiaires, je pense aussi à ces femmes qui n'ont aucun statut, qui prêtent main forte au Québec en prenant soin des aînés. Évidemment, je pense aussi aux médecins de notre communauté. Et c'est pour cela que l'ACAI Média ainsi que TMH a décidé d'organiser ce concert virtuel pour rendre hommage à ce personnel de la santé qui forme un grand groupe de notre communauté haïtienne. Alors, sans plus tarder, écoutez, mon nom est Dorothy Roux. Beaucoup de gens me connaissent comme étant humoriste. J'ai dû mettre une pause sur cette carrière pour me lancer dans l'entrepreneuriat social. Donc, actuellement, je suis présidente de l'organisme Audace au féminin. Donc, c'est nous qui organisons le Salon international de la femme noire. Et je suis honorée de pouvoir vous accompagner à travers ce concert virtuel. Et encore une fois, merci aux organisateurs. Et sans plus tarder, j'aimerais aussi saluer deux personnes, deux pionniers de la radio haïtienne qui sont disparus, fauchés par la COVID-19. Je pense à Marc Event Absalon. Beaucoup de gens de ma génération avons grandi avec cet animateur. Et aussi Pierre-Tony Jean-Jacques, connu sous le nom de Tizi Bang, qui pour moi a été mon premier contact avec la radio, puisque lorsque j'avais 18 ans, j'ai animé une émission qui s'appelait « En nous grindant ». Eh bien, cette personne qui nous avait accompagnés, il s'agissait de Pierre-Tony Jean-Jacques. Et j'aurai la chance de vous en parler un peu plus longuement. Mais nos pensées les plus sincères à toutes les familles éprouvées, à toutes ces personnes qui sont décédées à cause de cette maladie, et aussi encore une fois à tous les travailleurs et travailleuses de la santé de la communauté haïtienne. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à notre député de Henri Bourassa, M. Emmanuel Dubourg. Merci. Bonsoir. Ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. M'ap salue nous toutes qu'ap koute à soya. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous adresser quelques mots à l'occasion de ce spectacle virtuel. Hommage. Tout d'abord,
Permettez-moi de présenter mes sincères condoléances aux familles endeuillées par la COVID-19. Je salue et je remercie les travailleurs de la santé. À tous les jours, vous mettez votre vie et celle de votre famille en danger pour soigner les Canadiens. Vous, particulièrement de la communauté haïtienne, médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, gestionnaires, agents de sécurité, agents d'entretien, cuisiniers, eh bien, mettez chapeau bas pour nous, Jodia. Parmi vous, il y en a plusieurs qui ont reçu leur formation académique et professionnelle en Haïti. Or, vous voilà aujourd'hui en train d'aider votre pays d'accueil à passer à travers cette crise aux côtés des professionnels de toute origine. À Montréal-Nord, la situation est difficile, je le sais. Nous faisons tout pour protéger les citoyens. Le gouvernement canadien a investi des milliards de dollars pour nous permettre de respecter les consignes. Restez chez vous, lavez vos mains, car ce virus touche tout le monde, indépendamment de leur origine ou de la couleur de leur peau. Je remercie donc la CAI Média, les artistes, les techniciens qui ont travaillé à cette production. Mes amis, m'a dit nous merci en pile, après nous m'a marché. J'ai aussi le plaisir de vous présenter le message du Premier ministre du Canada, le très honorable Monsieur Justin Trudeau. Bonjour tout le monde, sac passé. En ce moment même, partout au Québec, des travailleurs de la santé d'origine haïtienne travaillent jour et nuit pour lutter contre cette pandémie de la COVID-19. Ces travailleurs sont des médecins, des infirmières, des préposés et bien plus encore. Alors j'aimerais prendre un instant pour leur dire merci au nom de tous les Canadiens qui sont tellement reconnaissants. À chaque jour, ils s'exposent à des risques pour assurer notre santé et notre sécurité. Ils représentent vraiment ce qu'il y a de mieux au pays. Permettez-moi maintenant de m'adresser directement à ces travailleurs. Je sais que vous faites de très longues journées de travail, mais sachez qu'on est là pour vous. On travaille fort pour vous protéger comme vous le faites pour nous. Merci encore pour tout ce que vous faites. Avez-nous map marché, Kimbé Palagué. Your faith was strong, but you need a proof. Your soul repeating on the roof. Her beauty in the moonlight over true young. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she trod her.
was how to shoot somebody who will betray you. It's not a cradle to her in night. It's not someone who see the light. It's cold and it's unbroken. Hallelujah. Hallelujah. Elle disait, faut écouter. Des contacts, il faut éviter. Et si tu sors, tu t'exposeras. On en a déjà plein les bras. Prenons conscience de ses paroles pour avoir une chance. De ne pas être infecté. Chassé, le monde a changé. Un virus a tout chamboulé. La propagation est planétaire. Et nous n'avons qu'une chose à faire. Songez à mettre quand il veille et croire.
nous tendez, Corona là, les bayons sont les émettes coquilles. À tous les travailleurs de la santé de notre communauté, merci pour votre esprit d'abnégation qui vous a incité à aller prêter main forte sur la ligne de front. Nous vous sommes à jamais reconnaissants pour votre passion, votre dévouement et votre engagement. C'est vraiment admirable ce que vous faites. Courage, ça va bien aller. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Bonsoir à tous. Donc, je remercie la CAI Média pour cette belle initiative. Je salue vous qui regardez cette émission spéciale. Je vais céder mes 2 minutes d'intervention au personnel de la santé, tout en les remerciant. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Raphaël Michel, étudiant paramédic au Collège Hensick. Avec la crise du COVID-19, j'ai décidé de répondre à l'appel lancé via Je contribue. Dans les dernières semaines, j'ai travaillé au CHSLD, Le Rondeau, Saint-Laurent et Sainte-Dorothée. Cette expérience m'a ouvert les yeux. Je ressens un respect renouvelé envers les préposés aux bénéficiaires et envers nos aînés. J'invite toutes les jeunes qui peuvent à contribuer à venir nous aider
On a besoin de vous. L'ennui de la claque ou la journée. Soleil baille la ligne dans les quais. Guillaume Bouya cap est monté. Ak branche coton bois cap flotte. Dans un temps yon frise tripe. Malgré c'est pas les moun mache. Sous grand chemin ou katande. Yon kolon bef kap est passé. Ak kout fouet kach kap est tombé. Chaque petit moment, yon voit chanter. Maoulé. Maoulé. Ma passé. Maoulé. Moun kite nan la kou, kou rentre fè mes portes, yo kwese lougaou, yo kwese galipat, poutan son maoulé. Yo maoulé ka pe passe. Soti yo kay pou rive pa mago. Avec toi, bef, qui sèche ton koutato. Combien pas l'eau, combien mon boujambé. Combien savane en vent bouillé. Dim son bras fait, si l'eau moment se descend. Nan yon journée, combien nuit pour ton. Si qu'un volet qui v'laisse escalader ou, bef papou, kou mon bral dégage. Maoulé. Maoulé. Oh, maoulé. Maoulé, m'arrive. Merci à vous-même qui t'avez regardé. C'était avec vous, Flowing. Pas oublier, dans le moment où on a profité, laver mais on souvent. Et puis, pas sorti, si vous n'avez pas besoin, protéger tête tout pour capable protéger l'autre monde. Merci. On a li ba yon fa son je se met ko ki veye ko. Alors bonjour à tous et bonjour particulier aux membres de la communauté haïtienne et celles et ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé. Simplement pour vous dire merci. Merci pour tout le travail qui est accompli, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, que ce soit les infirmières et les infirmières auxiliaires, les pharmaciens, les médecins. La communauté haïtienne est implantée au Québec depuis des décennies et elle œuvre dans le domaine de la santé depuis le même temps. Et on constate avec l'association des médecins, avec le ralliement des infirmières auxiliaires haïtiennes, on voit tout le travail qui est accompli au quotidien et particulièrement maintenant dans le défi que nous avons tous contre la COVID-19. Alors, chaque geste que vous posez a un impact sur l'ensemble de la société québécoise et moi, ça me remplit de fierté comme personne d'origine haïtienne de voir le travail qui est effectué par cette communauté, par notre communauté. Alors, merci infiniment. La CAI, c'est la CAI. M'a tout profité dit un gros merci à la CAI Média et puis nous tous ensemble, nous tous campés ensemble, nous pas plaguer. Merci un pile. Bonjour, je suis Nathalie Pierre-Antoine, conseillère municipale à Rivière-des-Prairies.
À l'occasion de ce beau spectacle organisé par l'Acamédia avec des artistes talentueux, je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui sont au front à prendre soin des patients et des résidents du réseau de la santé et des services sociaux. Sachez que votre dévouement est remarquable. Merci beaucoup. Prenez soin de vous en faisant attention aussi dans tout ce branle-bas combat. Une fois de plus, un grand merci. Kembela, Palagué, toute bagaille à en forme. On vous aime, bon courage et ça va bien aller. Pardonnez-moi, qu'elle m'a gratté, sur la fiction de mon démon. Mais
ménaj mè atan mwen Mal trase kay la Mwen pral fè bel ti chouet Avek mou gout mwen Bonjour, je suis Monique Posé, députée du Bloc québécois de la circonscription de Repentigny. Pendant que le Québec vit une crise sans précédent, je veux souligner l'initiative de l'Acémédia d'organiser un concert virtuel pour remercier les travailleuses et les travailleurs de la santé et pour souligner la participation de la communauté haïtienne. Vous savez, entre Québec et Haïti, ça a toujours été une histoire d'amour. On a bâti ensemble une société qui est inclusive, qui est diversifiée, et beaucoup des gens de la communauté sont ou médecins, ou infirmières, ou préposés, et font partie de cette lutte contre la COVID-19. S'il y a une chose de bien, si je peux dire, dans la pandémie, c'est que ça nous fait découvrir des métiers qui ont souvent des conditions de travail précaires, difficiles, et notre santé, notre sécurité dépend de ces gens-là. Alors, je souhaite qu'après la crise, on puisse reconnaître ces personnes-là à leur juste valeur. D'ici là, si vous avez un problème, si vous avez des inquiétudes, des questions, n'hésitez pas à téléphoner à mon bureau. Je suis entourée d'une équipe hors pair et qui est toujours prête à vous répondre qui a un sens aigu du service aux citoyens. Alors, vous appelez sans vous gêner au 450-581-3896. Bon concert! Le monde est atteint de maladie. Il faut pas baisser les bras. Il faut qu'on y fait face. Ensemble on pourra sauver la vie. Si vous restez chez vous, on peut sauver la vie. Si vous lavez, lavez. Quelquefois je dis des mots bizarres, quelquefois je parle trop, et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Quelquefois je ris à contre-temps, tu n'y comprends rien du tout, et tu me regardes étonné tout à coup. Ne te pose pas trop de...
La réponse est dans mes yeux. Elle est quelque part au milieu de nous deux. Ne m'oblige pas à tout te dire, puisque tu le sais déjà. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour toi, toi que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime être enfant. Je ne trouve rien de cette fille que j'étais hier encore. Ta présence, moi, réveille l'eau qui dort. Je ne connais pas ce que je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort et quelqu'un de plus beau. C'est pour toi, toi, que j'aime encore, c'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi, que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi, que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aimerais être enfant. C'est pour toi, toi, que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. Ta-da-da, da-da-da-da-da. Une toute petite prière au grand Créateur pour tous ceux qui se donnent à cœur pour supporter. Oh, Lord, come.
membre de la communauté haïtienne, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec souhaite souligner votre grande contribution dans cette crise sans précédent de la pandémie COVID-19. Vous êtes plusieurs à combattre avec acharnement ce virus et à prendre soin des Québécoises et des Québécois. Vous menez une bataille difficile et cela doit être reconnu. Vous pouvez être fiers de votre travail sans relâche pour lutter la COVID-19, pour soigner la population du Québec et pour sauver les vies. Je veux donc vous dire un très grand merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nos aînés, pour nos patients et pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Vos efforts font en sorte que jour après jour, les valeurs de notre profession sont préservées et des soins de qualité sont donnés partout dans les établissements de santé. Sincèrement et de tout cœur, merci. Bonsoir. Donc, mon nom est Christine Camille. Je suis infirmière clinicienne. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette soirée pour cette belle initiative qui a pour but de souligner la contribution des travailleurs haïtiens dans le domaine de la santé au Québec. Donc, moi, personnellement, je travaille en santé communautaire avec une clientèle qui est âgée. Le quotidien n'est pas facile, mais ne l'est pas non plus dans le restant du domaine de la santé. Donc, mes collègues et moi, nous apprécions beaucoup cette marque de reconnaissance et le soutien de la population durant cette période. Donc, nous sommes sous l'attaque d'un attaquant qui est invisible depuis près de 2 mois. Et nous, les professionnels de la santé, nous travaillons sans relâche pour essayer de contrôler les effets de la pandémie du COVID-19. Donc, il faut se rappeler qu'avec la réouverture des écoles et des commerces, il ne faut pas relâcher notre vigilance et continuer à pratiquer les bonnes mesures, les bonnes précautions qu'on prend depuis le début de cette pandémie, soit le lavage des mains, la distanciation sociale, le fameux 2 mètres, et essayer de sortir vraiment pour ce qui est vraiment nécessaire. Donc, il faut se rappeler que la bataille peut être dure, mais nous allons la gagner et c'est avec tous et chacun que nous serons en mesure de passer à travers la pandémie du COVID-19. Donc, encore là, je vous remercie encore beaucoup pour cette initiative et bonne soirée. Bonjour, téléspectateurs de partout. Merci à l'équipe de la CAI Média qui m'a invité à cette soirée hommage aux travailleurs de la santé. C'est une belle initiative de toute cette équipe-là d'honorer ces travailleurs, surtout en cette période de pandémie, parce qu'ils font un travail dur, vraiment honorable. Ils sont sur les fronts et je tiens particulièrement à souligner le travail de nos préposés aux bénéficiaires. On sait qu'ils sont en première ligne au niveau des CHSLD. Certains sont tombés au combat. Certains ont infecté leurs proches, d'où le drame que l'on vit actuellement dans certains coins, en particulier à Montréal. Notre communauté est concernée, donc moi aussi je suis concerné, je me sens concerné, étant médecin, étant un travailleur de la santé aussi. Mes sympathies vont à ceux qui sont tombés au combat et je salue le travail que vous faites. Nos infirmières, je salue votre travail, les préposés aux bénéficiaires, je salue votre travail, les inhalothérapeutes de la communauté aussi. En tant que médecin, oui, moi je continue à offrir mes services. Souvent je pars et je me dis, comme tous les autres travailleurs de la santé, je viens là avec un pincement au cœur, mais je sais que je continue à faire mon travail avec la même passion, avec la même rigueur et avec la même volonté d'aider et de servir les autres. Merci encore de l'invitation et bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Merci. Nous tendez, corona là, li pa yon fa, sonje se met ko ki veye ko. La nuit qui fera lumière, en attendant de vivre, on fait semblant ensemble et on se regarde vieillir. Ça fait longtemps qu'on cherche à saisir la parcelle qui nous manque. Faut croire qu'on est blessé à tempérer. On se pose la danse, ça finit.
mais en attendant, on fait quoi? Quand, comment, pourquoi? Oui, des réponses. J'en ai pas, mais j'ai des milliers de bornes qui sont là pendant quelques secondes. Quand on
à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin, effacer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, il n'y a rien qu'une chanson pour trouver un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons de nos mains à savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus, et se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent le miroir. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence, sans murmure, ni défense, ni armure. Souffrir à vouloir mourir et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature, ni demi-mesure. Apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, et s'en aller, et s'en aller. Merci. Merci pour tout. Ciao. Sonje se met ko ki veye ko, nou gande ko na. Sacrifice sans pas gagner prix.
Reconnaissance, ça vaut plus que dette. Et n'en faut que l'amour reconnaître. Courayo, Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo. Sacrifice pas que prix, dans toute péripétie, à tout qu'elle n'a pas dit, merci. N'a pas l'ouvrir des bras, nous, fini chauffer les entrailles, à tout qu'elle n'a pas dit, merci. Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo, courayo, Chebela, courayo. Merci, merci, oh, 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 nana, li ba yo fa, songe se met quand il veille quoi. Nous voilà au terme de ce concert. Nous ne saurons le terminer sans présenter notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Nous remercions particulièrement nos héros et héroïnes pour leur lutte sans merci, ainsi qu'à leurs familles qui sont leurs principales accompagnatrices dans ce combat. Nos remerciements vont également aux artistes participants pour leurs efforts et leurs contributions bénévoles. À nos partenaires, THM, Intexto, Boss Ben Show, comme c'est nous, qui n'ont pas hésité d'appuyer cette activité. Aussi aux personnalités publiques qui ont bien voulu rehausser cette initiative par leur participation. Aux bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied à la coordination de cet événement. Mille merci à tous et à toutes. Bonne soirée. C'est déjà la fin de ce magnifique concert virtuel en hommage aux travailleurs et travailleuses de la santé de la communauté haïtienne. Un grand merci à nos élus qui ont pris le temps de nous adresser quelques mots. Un merci également au personnel de la santé, bien c'est à vous. On fait ce concert. On a aussi une pensée bien spéciale à nos disparus, aux familles éprouvées, endeuillées. Surtout que dans ces circonstances, on ne peut pas se réunir pour célébrer la vie de ces gens disparus. Dans mon cas, j'aime beaucoup parler de célébration de la vie et non de disparition. Je pense aussi à Georges Lara qui est actuellement sur un lit d'hôpital atteint de la COVID et plusieurs tant d'autres personnes aussi. Donc, c'est pour vous qu'on fait ce concert virtuel, une initiative plutôt, de l'Acaï Média ainsi que de THM Montréal, donc Télévision haïtienne de Montréal. Donc, un grand merci d'avoir pensé à faire ce geste. Je pense également aux gens de ma famille qui sont infirmières, préposées aussi, bénéficiaires, que ce soit ma sœur que j'appelle tout le temps, ma tante. Donc, ces gens ont le même nom de famille que moi. Ma cousine aussi, Fiona Moïse, parce que souvent, je les appelle, je leur dis, écoutez, changez-vous. Quand vous arrivez à la maison, ne portez pas toujours le même uniforme. Lavez-vous les mains. Je sais que j'arrête pas de leur répéter, sachant très bien qu'elles sont au courant.
Mais comme vous savez, s'il y a cette propagation, c'est parce que ces gens qui sont sur le terrain, bien, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils contaminent d'autres membres de la famille. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes vraiment nos anges, mais vous êtes des gens pour qui on a beaucoup à cœur. Alors, je termine ces paroles en vous disant merci et à bientôt. Mon nom, c'est Dorothy Rowe. Et gênez-vous pas, faites des commentaires sous ce concert virtuel sur la page de THM et on vous revoit très bientôt. Merci. Une toute petite prière au grand Créateur pour tous ceux qui se donnent à cœur pour supporter. Kumbaya, my Lord.